Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur les chaînes de Fire, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer le passage glacier, maintenant qu'on a le foutu pied de biche, qui est un objet de quête pour l'avancée. C'est bien fait chier, tiens ça je vais le prendre, c'est bien fait chier à le... bol en argent. À le faire, on avait pu voir les premières créatures du passage glacier. Vraiment les premiers. Moi par contre, j'aimerais vraiment améliorer une fusil. Putain, nageoire de 40. Ça baisse les dégâts. On peut pas améliorer les autres types d'armes. Je trouve ça fou qu'on puisse pas améliorer. Parce que j'en ai pas à créer, tout simplement. C'est ça. Putain, je suis trop con. Gaz tranquillisant. Aspire les poissons à proximité, inflige des dégâts explosifs. Combien niveau 2? 42, 42 et 6. En vrai, le lance-grenade. Pas trop dégueu. Je vais vérifier mes tâches avant de... Faites du thon. Ok. On va pas plonger à l'ancienne sur la matinée. Sur après, on plongera à l'ancienne par contre. Parce que c'est vrai qu'il y a les veines du thon qui apparaissent beaucoup de thon. Il n'était pas présent. Putain, il continue de rajouter des. Continue de rajouter des poissons au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Je trouve ça démentiel qu'on continue à découvrir des choses. C'est pas oh, découvrir des nouvelles choses parce que blablabla c'est le c'est une nouvelle zone. Non non, non là c'est rajoute des poissons sur les anciennes zones profondeur. Et je trouve ça super cool. Requin Mako. Attends, j'ai jamais vu ça. Hein. Attention. Ça fait peur au calamar vampire. Il s'en est chié dessus. Ça fait super peur. Objectif à geler. Je dois d'abord nettoyer l'objectif.
pas du tout la fresque en fait. Hein. Le système de givre, le fun est mort. Le fun est mort, juste enlever le gel de ce foutu appareil photo toutes les deux secondes. Yo, Bildi, ça va bien? Bah écoute, ça va super. J'ai pas trop mal du bad d'hier. Par contre, je me suis fait éclater au badminton hier. Ça va bien et toi et toi et toi? Toujours sous l'eau avec Dave? Ouais, toujours sous l'eau. On a vu des belles saloperies. C'est trop casse-couille le givre qui revient sans arrêt, sérieux. Toujours, ouais. On a fait plusieurs boss et tout. On peut faire de l'agriculture. On a fait la quête avec le chat. On a très très bien avancé. Très très bien avancé. Où est la fresque? Moi je vois que dalle. L'objectif il vient pas vers. J'ai dormi jusqu'à 16h. Ça c'est les bonnes nuits. C'est le taf qui t'a forcé entre guillemets à faire ça ou c'est rythme de... Ah là c'est vert. D'accord, je sais pas pourquoi c'est pas vert. Ah putain quand même hein. Bah si, mais en fait si tu veux, tant que le bouton en haut à gauche de l'objectif il est pas vert, c'est pas ce que t'es censé prendre en photo. Et ça fait échouer la photo. Donc c'est pour ça que j'en ai foiré deux avant. Et là, là c'était vert. Je sais pas du tout pourquoi. Putain, ça y est, on l'a enfin fait. Bon, par contre, on a une profondeur critique et je suis en train d'exploser. Putain. D'exploser mon oxygène. Oh là là. Je fais n'importe quoi du coup. Ça descend tellement. Ça descend tellement vite. Désolé, hein, je bourre un peu mon clavier. Oh, il frappe ces trucs-là. Oh, ils infligent confusion, mes touches sont inversées. Ok, j'adore cette zone. J'ai une semaine de repos, donc j'en profite. Ah oui, alors profites-en à fond, alors. Profite à fond. Je vais regarder. De toute façon, on sait qu'il y a un coquillage d'oxygène sur la gauche. Donc au pire, on fait marche arrière. C'est galère Disco Lady et on peut. Oh, génial. Génial des puzzles. On adore les puzzles. Putain, j'aurais peut-être dû m'acheter la combinaison. J'avais pas les sous. Je pense que je peux faire à fond. Oui, d'accord, c'est cool. Ouais, je suis en profondeur critique, donc je vais continuer à perdre de l'oxygène comme ça. Alors. J'en vais faire ça. On gardera le jeu de puzzle plus tard. Putain, ça descend tellement vite. Prendre le truc bonus. Est-ce que ce jeu... Attends, est-ce que ce jeu pense à la maladie des moussons? Tu sais, le truc des paliers à respecter pour monter à la surface afin d'éviter de mourir. Ah, non. Non, mais oui, je vois, c'est la maladie... ouais, quand t'es trop profond... t'as la pression atmosphérique qui est... ton corps, il doit s'habituer.
Et oui, si tu... Et c'est la maladie des moussons ou c'est la maladie des caissons? Je sais plus si c'est ça. Mais non, c'est pas pris en charge. Non, il y a déjà beaucoup de difficultés dans le jeu. Bien, le merguez a fondu, laisse-moi rentrer. Ah non, non, il est déjà assez compliqué comme ça. J'ai fait pas mal de morts, notamment contre les boss. Alors, je vois mon oxygène qui est en train de fondre à une vitesse ahurissante. Oh putain, faut refaire le givre. Oh que ça casse les couilles. Ça c'est le genre de truc, tu sais, c'est merdique. C'est le genre de truc qui me fait péter un plomb, tu vois. Tu vois, là c'est vert. Et c'était pas vert tout à l'heure. Sinon ça aurait fait échouer le... Putain, on peut descendre encore plus bas que ça. Oh. Ah, il me faut absolument la combinaison. Oh là 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 là. Ah, je vais pas pouvoir le faire là. Ah non, c'est mort. Non, ici, ils sont pas bien alignés. Existe-t-il un moyen de les aligner ? Je vais remonter, je vais remonter. Je vais crever. Je vais crever comme une merde. Oui, c'est caisson, hein, voilà, parce que... Il me semblait bien que... Je vais crever, je vais crever. Je suis à 20, je suis à 20. Ça descend tellement vite quand t'es pas à la bonne profondeur, c'est abusé quoi. Et il me semblait bien que c'était maladie des caissons, je fais mousson, je fais... ça dépend, t'habites... si t'habites au Japon... Alors, on a encore un coquillage sur la droite et un autre sur la gauche. Donc, à la limite, si on peut faire... débloquer le truc bonus, ça, de toute façon, j'arriverai pas à faire le ce que je suis censé faire. Oh, j'ai pas vendu les statues de poissons en or. Oh, quel teubé. Oh, j'ai complètement oublié, je m'étais fait chier à tout ramasser en plus la journée d'avant. Ça, c'est parce que je me suis parti me laver les dents. Oh là là, l'oxygène. Oh, ça part une vitesse. Oh, tu sens que t'as pas la bonne combi. Hein. Voilà, parce qu'il y a une statue de poisson noir. En la revoyant, je me suis dit, putain, je les ai pas vendus. Quel teubé. Du coup, j'aurais pu me payer la combinaison. Tout l'intérêt de... Oh, je suis trop un gogo. Non, ouais, ça pue, je suis obligé de revenir en arrière. Oh, ça saoule. Oh, ça saoule la bite, mais tellement fort. Ah, j'ai horreur quand les jeux te foutent la pression comme ça. Et la combinaison, elle est là pour enlever cette pression. C'est normalement l'oxygène, ça descend de 1. Et là, ça descend de 3, 4, voire 5 selon si on est loin ou pas. Je fais partie de ceux qui chassent au lance-grenade. Hein. C'est plutôt emmerdant sur les petits. Je pêche à l'américaine. Hein. Poulpe Dumbo. Parce que je dois pêcher plusieurs... Crevette blanche. Je dois pêcher plusieurs espèces pour... Quelle amarre vampire, là. En plus, il empoisonne, lui. Pour la mission d'Eco-Watcher. Mais connard de poisson à la... Ah, quand même. Ah, sa mère. Il se laisse pas faire. Ah, c'est le mouvement gauche-droite qui m'a fait le truc, quoi. Faut vraiment que j'améliore le fusil. Je pensais avoir de l'avance. Un blobfish. Le poisson du blob. Ouais. Attends, l'oxygène. Abusé, je peux rien pêcher presque. Attends, avec la glace, là sur la gauche, je vois R. Il peut empoisonner, donc il peut vraiment foutre dans la merde avec son jus. Ah, et on va
monter. Ah, c'est drôle, l'oxygène descend moins. D'un seul coup. Amélie, Amélie, fuck yeah. Ah ça va, c'est pas la pêche gobeline au bâton de dynamite, mais on, quand même. Hein. Pêche ou lance-grenade, y a quand même un petit niveau américain. Merde, trop bas. Ils sont trop résistants. Oh, c'est la loose. Ah, oh, putain, je suis comme une merde. Moi. Putain, c'est des petits poissons de merde en plus. Hein. Vas-y, y a pas des munitions là. Oh, le bâtard. Non, y a pas de munitions. Je vais remonter. Hein. C'est... Putain de S. Je vais reprendre l'oxygène avant de sortir de ce merdier. Putain, en plus, ça saoule parce que j'ai la mission qui me demande d'en ramasser. Putain, ça, c'est les fossiles. Ah merde, on peut pas voir les. Si, recherche écologique. Ah, c'est bon, je l'ai fait. 15 sur 15. Bon, bah, c'est bon. Alors, c'est bon. Qui pêche à la bombe. Laisse-moi deviner, c'est Kim. Laisse-moi deviner. Tac. Petite carte. Non, en vrai, je pense. On devrait retourner. Ouais, on va sortir du village par la gauche. Et on va essayer de remonter. Et on va prier pour choper un maximum de thon parce qu'il y a une fête et là c'est la saison du thon. C'est la saison du thon, hein, c'est la saison site de rencontre pour tous les gens désespérés. Et du coup ça dure 3 jours apparemment, mais il y a tous les thons qui vont pop de la même façon que les requins marteaux sont apparus du jour au lendemain. C'est abusé. Incroyable, c'est même pas... Je suis surpris, je m'attendais vraiment... Est-ce que tu me dises le contraire? Oh, putain. Sniper, oh, c'est du niveau 1 après. Les ulanoscopes. Je sais pas comment on est censé choper les uranoscopes et les crabes araignées au-dessus du rang. Je n'ai réussi qu'à les tuer. On peut pas les capturer. On peut pas les endormir. On peut pas les assommer. Je comprends pas comment est-ce qu'on est. On est censé les avoir à une qualité au-dessus d'une étoile. Je ne sais pas du tout. Il me faut absolument des munitions, genre ça urge. Parce que si je rencontre un requin, je suis obligé de fuir. Ah oui. Ok, c'est bon ça. Bon bah on va remonter hein. Ré de choper des poissons qu'on n'a jamais vus. Que c'est la saison du thon, donc si se trouve toutes les profondeurs, il risque d'avoir un peu de thon. À trouver les. Non, casse-toi. Ah putain, je suis obligé de faire. Oh là là. Mais meurs. Hein. Merci. Il suffisait de demander gentiment. Allez, lampe UV, et c'est parti. Attends, je vais prendre l'oxygène parce que je compte jamais repasser par là de toute façon. Donc on va remonter gentiment. Oh les bâtards, ils ont mis un suicidaire juste devant quoi. Thank you.
Voilà, histoire que je me prenne bien du dégât quoi qu'il arrive. Ah, génial, merveilleux. FDP. C'est un panneau. J'allais dire, je vais donc dire qu'il y a deux objets les uns sur les autres. Putain, les coquillages roses, quoi. Non, mais sérieux, une dizaine. Mais ils sont où les crabes araignées, sans déconner, quoi? Ah, 2 sur 3. Putain de merde, hein. Oh. Vraiment les crabes araignées. Je comprends pas. Le moment... où je savais pas les tuer les crabes araignées, j'en voyais partout, mais toutes les deux secondes, le moment où j'ai la quête qui m'en demande 3, genre l'espèce a disparu. De la surface de l'océan, complètement disparu. Insupportable. Bon allez, 10 kilos. La bite. Bombes. Ah, en plus, c'est avec capteur, nice. Belly, 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 nice. Ouais. Oui, c'est des bons gros crabes, tu sais, c'est les crabes araignées vraiment du fond de mer, hein, tu sais, c'est pas le petit crabe surimi, hein. J'ai plus de munitions. Putain, les requins lézards. C'est pas les pires. C'est franchement pas. Ah oui, il y avait un paquet de munitions. Ils sont sympas. En général, c'est un gros requin ou un gros ennemi dans le coin. Pas trop loin, t'as au moins un paquet de munitions. Ils auraient pu être plus putes dans le jeu, vraiment. Et en plus, ils ont même foutu des bombes dans le coin. Aïe. Bon bah, un peu déçu, hein. J'ai pas vu de thon. J'ai vu que des espèces qu'on a déjà vues quasiment. Je considère qu'on est rentré dans la zone... Attends, c'est... Oh, quoique. Une... Attends. Peut-être que je déconne, mais... Il semblait bien que celui-là je l'avais jamais vu. Casse-toi le barracuda. Barracuda. Oh, macro d'Atlantique, déjà vu. J'ai déconné. Hein. Et comme ils continuent de rajouter des poissons tout le long du jeu, bah j'ai plus besoin de la lampe à UV. Des courants ici, c'est de la merde.
Ça, c'est de la carangue blanche, tu sais quoi, on va le shooter. Putain, c'est tellement résistant, cette fusée. J'ai besoin des nageoires pour une amélioration de fusil. Encore faut-il avoir la nageoire. Et voilà, elle n'est pas tombée. Et ça, c'est complètement random. Hein. Le fait de choper des nageoires ou des mâchoires sur certains types de poissons. Donc, bah, faut farmer, faut grind. Et ce qui est bien dans le jeu aussi, c'est d'avoir un héros, monsieur tout le monde, pour une fois que c'est pas le BG américain musclé stéréotype. Oui, il a un bête de bide et tout, il se fait bien cracher dessus d'ailleurs. Plusieurs fois. Et ça y est, on a fait la quête du chat. Si tu donnes assez à manger au chat, en fait, il y a une quête avec le chat. Fait lui filer beaucoup à bouffer. Mais oui, il a un bête de bide. Mais tu sais que c'est un studio coréen en plus. Oh! Ah tiens, il commence à avoir... Putain, t'es sérieux. Voilà, ça, c'est les bons requins qu'on aime aussi. J'ai tout pété, hein. Je maintiens que le lance-grenade, c'est une grosse arme, et surtout, c'est un lance-grenade amélioré. J'aurais pu... Putain, il a connasse de sèche qui vient te chier et te faire une faciale. Putain de merde, quoi. Dents de requin-tigre. Voilà, ça c'est un loot supplémentaire. Par contre, là, je suis vraiment archi-blindé niveau place inventaire. Ah non, ah, là, y a les os. Les os, il me les faut absolument. C'est trop chiant à voir. On va virer tous les poissons qui ont qu'une étoile. C'est ceux qui ont... Non, pas le crabe araignée. J'ai failli faire une grosse connerie. Tous les poissons que j'ai tués à l'arrache. Tu surchargeais, mais pas, pas plein à craquer. Et la première fois que ce requin-là, je l'ai vu... Ah, j'étais pas bien. J'étais pas bien, mais genre du tout... Eh, ceux-là, j'ai jamais vu. Sûr à 100%, jamais vu. Putain. Ah, c'est un que j'ai pas pêché depuis une éternité. Hein. Et les petits, là, comme ça, les deux, là. On dirait du... un petit thon. Genre les bébés thons. Un tonneau. Non, c'est carré. Putain, c'est ça, les carrés blanches. Ah, oh, bah, laisse tomber, j'ai fait trop de la merde. J'aurais pas dû tuer les... Mais putain... Ah, mais non, le nom, c'est carangue, mais c'est peut-être autre chose. C'est comme les balistes. Il y a plusieurs balistes. Putain, je suis surchargé. Je crois qu'on va prendre des capsules de sauvetage. Ouais. Ah ouais, on va prendre des capsules de sauvetage. Allez, Billy. Bon, pas mal pour une session de farm. Gardez l'hippocampe blanc, s'il vous plaît, pour la course d'hippocampe. Eh bien, chassons le thon pour de vrai, d'accord. Prends ça, c'est un piège à filer à grand capteur. Même le thon le plus rapide et le plus grand ne peut échapper à ce piège. J'ai une arme secrète pour la chasse aujourd'hui. Le drone sous-marin. Putain, c'est ça qui sert à remonter les thons, c'est ça? Les gros poissons, quand tu les endors, il me manquait un symbole et c'était ça le symbole. Il m'a fallu du temps pour remplacer celui que tu as cassé la dernière fois, c'est très cher, le chat, tu sais. Ça s'est cassé des choux, tu vois. Laisse-moi te montrer comment utiliser, il suffit de suivre les instructions. Plonge dans l'eau. Ah merde, c'est un tuto. Bon bah, let's go. Putain, mais oui, mais les gros poissons... Enfin, les gros. Oui, si, les gros aussi, hein. C'est comme ça qu'on les remonte, c'est... On a enfin le putain d'objet, ça c'est comme les gants, hein, quand on a eu les gants, mon dieu. Révélation de gameplay, quoi. Oui, il m'a dit de plonger, et ensuite... Ah bon. Ah, ça c'est du thon. Le poisson est gros, mais rapide.
J'aimerais bien cette envie de budgétiser un outil. C'est un piège, c'est un truc. Ah putain, il blesse en plus! C'est ça. Appeler le drone de sauvetage. Oh, on peut enfin ramener ces grosses merdes. On peut attraper ce gros ton sans problème, je suis impressionné. Il est très puissant, donc si jamais tu attrapes un gros poisson, utilise le drone. Tu auras besoin d'un de ces drones pour maintenir la qualité de ta prise. Les poissons blessés ne peuvent pas t'avoir une qualité élevée. Je vais te prêter ce drone pour le moment, c'est le modèle de base. Il est très cher. Apporte-le chez iDiver si tu veux des améliorations. Collectons autant d'ingrédients que possible dans la fête du thon. Les gros poissons attrapés au filet peuvent être récupérés à l'aide du drone de sauvetage. Vous ne l'avez qu'un nombre limité, mais peut-être amélioré au magasin de commandes. D'accord. Et le jeu vient de nous forcer de faire une... Oh là, il va tellement... Ok. Dès qu'ils arrivent, grenade. Putain, il est tellement vite. Putain de sa mère, ils vont super vite. Ma vie, forcément. Mais je suis trop con. Oh. Putain! Moi, j'ai tout raté. Vous n'avez rien vu. Je vais continuer de chasser au lance-grenade. Oh non! Oh là là, la loose! Oh là là. Ah là! Ah! Ah! Oh, qu'il est mauvais! Ils ont rien abattu. Eh mais. Ils ont combien de points de vie, wesh? Moi je pense qu'ils. Non, ça c'est. Ça se capture, ça se bute pas ça. Parce que là c'est pas normal tout ce que j'ai mis. Oh merde, ça saoule, du coup j'ai pas eu le temps de faire la vente. Putain, mes statues! En plus, c'est ma dernière session. Attends, je vais le noter pour la prochaine ça. Statue or. Voilà, parce que ça fait deux. En plus, le tuto m'a coupé en plein milieu là. Nique-toi. Oh non, pas un requin renard. Oh non, pas le cocotte moineau. Vite que je chope l'arme qui est en dessous. Je sais pas ce que c'est. Non, pitié, sois sympa. Oh non, c'est une tête de harpon. Il va m'enculer. Il est en train de m'enculer. Adieu. Ok, je l'ai jamais vu faire ce move. Non, pas la raie. Non, 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 non. Les raies sont super chiantes. J'ai plus de munitions. Putain. Mais depuis qu'il y a ces machins, mais même en profondeur basse, tu peux te faire allumer l'anus, quoi. Allez, baliste, on a plus sûr. Du coup, t'as une semaine de vacances, ça y est, tu vas bien profiter. T'as prévu des vacances ou juste tu fais des vacances casanières? Alors ça, je te montre parce que j'adore. Voilà, c'est le marteau qui fait. Insupportable, donc indispensable. Je vais prendre ma revanche sur le requin renard. Maintenant que j'ai des munitions. Vacances casanières. Ouais, ouais. Bon, je m'en doutais un peu, hein, vu ce que tu me disais, mais. Je demande confirmation des fois sur un malentendu, tu sais. Ouais. Non, mais le bruit est indispensable, quoi. T'imagines, t'as un juge, il appuie sur ça. Silence dans la salle, s'il vous plaît! Perte de crédibilité fois 100. Ah putain, puis il y a la raie mes couilles là. Pitié, m'attaque pas. Non! Mais bon, qu'est-ce qu'on a dit? Non, tu m'as pas vu. Oublie-moi, je n'existe pas. Je suis en paix sur du verglas.
Bon. Mais il est passé où le requin renard? Exactement, je vois que tu as la ref. Je vois que tu as la ref. Putain de merde, quoi. C'était quoi la proba pour que t'aies la ref? À chaque fois que je parle de Perus, je passe pour un alien ouais, et que personne comprend. À chaque fois que je parle de Donjon de Nullbuck aussi, ouais, et du Survivor aussi. Les gens ils disent, mais c'est nul, c'est que du son, mais c'est tout l'intérêt. Mon âge. Ah ouais, non, je connais même des gens qui ont mon âge et qui sont plus vieux, qui même plus vieux aussi, ils connaissent pas François Perus. Pourtant, c'est cultissime, quoi. Je vois que vous avez les bonnes références. Mais c'est pas étonnant que je m'entends bien avec vous, alors. Le requin renard a disparu. Mais genre, je sais pas où il est passé, quoi. Et je suis vénère parce que le requin renard, la viande vaut très très cher. Putain de merde, quoi. Ça fait un dégât, c'est de la merde. C'est vraiment pour endormir les poissons, mais faut être capable de s'approcher d'eux. Et en plus, si t'appuies trop vite et que tu remets un deuxième coup alors qu'il était censé s'endormir, eh ben ça le réveille. Vu que ça lui fait un dégât. Qu'est-ce que le barracuda? Oh putain, il y a un requin ici. Oh ta merde. Moins résistants les requins, si hein. On les voit avant. Les drones. Ah, du coup, même s'ils pèsent une tonne, en fait, tu peux les renvoyer, même s'ils sont morts, dans le but de juste dire oh bah les couilles. Ça me prendra moins de place. Oh putain. Et le drone, va falloir vraiment l'améliorer, quoi. Mais genre, vraiment. Ah putain, Banal Fantasy. Waouh, c'est vrai, j'avais oublié que ce truc existait. Il y avait aussi, comment ça s'appelait, ah merde, celui où il y a un personnage qui ne parle qu'en Alexandra. Ah, j'ai oublié le nom. Reflet d'acide où les épisodes faisaient, il y a un épisode, je crois, il faisait une heure quarante, je crois. Il y a un personnage qui parlait qu'en Alexandra, et c'était de la poésie. Parce que il parlait en alexandrin, mais ça rimait. En alexandrin et en rime. J'étais là, je sais, mais. Oh! Ah oui, c'est quand même. C'est quand même balèze. C'était très bluffant. Mais pareil, un humour complètement potache. À couper le souffle. Putain, je vais enfin pouvoir faire la quête des coquillages roses depuis le temps. Nique sa mère. Et je reste poli. Non, Billy, fais pas ça! C'est pas ce que tu fais! Fais pas le con! De faire un le troisième foutu crabe que je suis censé faire depuis une éternité. Si jamais je le trouve facilement. Parce que là on est au début de la zone profonde. Peut-être que ça ira mieux. Ou pas. Non, casse-toi. Ah, putain, c'est un cul-de-sac. Ah, nique-toi. Nique-toi et toute ta famille. Pa, 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 pa.
C'est reparti pour les séances lumière, bien casse-couille. Hein. Attention, c'est parti! Comment est-ce que t'appelles ça, espèce de gros clébard de merde? Ça s'appelle pas une mousse sucrée. Attends, viens un peu par ici, je vais te le faire dire. Barba papa. Espèce de gros clébard de merde. J'ai un Magnum 357 et... Chut, parlons dingo. J'ai un Magnum 357 et des grenades. Oui, oui, les amis. J'ai des flashbacks de François Pérusse, mais genre, je connais mes par cœur. Certains sketchs, c'est tellement ancré dans mon esprit. J'avais l'habitude de jouer à Dofus et de me balancer des compiles de 10 heures sur YouTube. Putain, pas un seul crabe, araignée, t'es mort, tentacule de troll de ta race. Où sont les crabes? Ah, ça j'en ai besoin par contre. Fourtroll la comte Taras. C'est fou quoi, c'est un truc, il y en avait partout. Le moment que j'ai la quête, ça fait 4 jours que je me la trimballe cette quête de merde. 4 foutus jours. Mais le nain semble avoir disparu. Bon, va remonter par là, hein, parce que je sais pas trop où aller. Et un requin renard. Mosin Nagant 30. Oh. C'est le fusil sniper, mais qui endort. Dans le plus grand des calmes. Tellement résistant, les grandes gueules, c'est ouf. Fusil sniper qui endort. Oh oui. Oh, il est là ce gros bâtard. 350 km Scott. 350 km. C'est ce que j'ai dû faire à l'arrière d'un camion pourri. Oh putain ouais. Oh bah, je vais pouvoir retourner au village et valider cette quête de merde. Vite. En plus il va 18h. Il faut que je commande les pizzas, que je prenne la douche, oh mon dieu. Mais d'abord... Voilà, c'était indispensable. Petite minute... Non, le trouille à gauche. Tu trouves pas le trou? Voilà, pas complet. En vrai, je valide la quête, je remonte, je prends le miroir. Je fais la séquence... service, je commande des pizzas, je prends ma douche. Putain, faut que je demande à mes potes ce qu'ils veulent comme pizza. Ah, est-ce qu'ils m'ont répondu? C'est con déjà. Oh là là, ça va être encore galère. Nique sa race. Vite. Ah mais c'est génial, il pleut dehors en plus. Ah mais merveilleux. Que demande le peuple? Vieille requête de tes morts là, comme si c'était un item à Sandrock. Voilà, je l'ai. Tout ça pour 35 baies en plus. Oh, l'arnaque. Oh, l'arnaque. Les os, ça m'a donné 75. Ça valait déjà plus. Oh, le. Oh, putain de merde. Putain, tu m'aurais craché au visage en me foutant un doigt dans le cul, mais ça aurait été plus poli quoi. Sans lube. Incroyable. Nom de Zeus.
Vite, il faut que je valide. Non, garde le 6. Que j'ai pas donné au village. Bon, tant pis. Des remanta. Vous avez dû dépenser de l'argent. Ah, mais lui, il veut prendre des photos de nuit. Ah non, mais c'est mort. Ouais, j'ai... Alors, en vrai, je vais pas faire la journée service. Enfin, la journée service. La séance de service. J'ai pas le temps. Ouais, il veille 18h, puis... Tempête violente aujourd'hui. Encore toi? À la recherche d'une carte boss super rare, comme d'habitude? Oh, oh, aujourd'hui, j'ai ressenti une énergie extrêmement puissante. Je peux pas t'aider aujourd'hui. Le vortex! Souviens-toi du vortex. La tempête prend de l'ampleur, à bientôt. Ouais, attends, on doit faire une pêche de nuit, prendre en photo les raies, nuit d'orage de... Ah, putain, je vais le noter, ça. Attends, vortex, raies, je vais le noter pour la prochaine session. Et les candidats, on verra ça plus tard. Putain, je peux pas vendre parce que c'est la nuit. Oh, oh, que ça me casse les couilles quand ça fait ça. Oui, il est habillé en Sacha de Pokémon parce qu'en fait, il s'appelle Sato. Parce que justement, le nom original de Sacha, c'est Satoshi dans Pokémon. Parce que pareil, première fois que j'ai vu, je suis... Attends, c'est Sacha du Bourg-Palais, ça, la casquette bleu-rouge comme ça. Et oui, je m'étais posé la question et je l'avais posée sur Google. Et effectivement, c'est Satoshi dans la VO. Parce que je fais partie de ceux qui n'ont jamais regardé Pokémon en VO. Pourtant, j'ai une règle d'or, hein. Toutes les animes, c'est en VO. Et juste Pokémon, bah, c'est 80... C'est... Ah merde, c'est quelle date? C'est 99 Pokémon, je crois. Et donc, bah j'étais un gosse, donc je connaissais pas du tout l'anglais, ni les sous-titres. Attends, je vais mettre anime. C'est 97. Ah, j'ai eu un doute, voilà, je fais putain. Donc voilà, c'est super vieux. Et oui, ils sont tapés une barre, parce qu'en fait, t'as ce qui s'appelle le Marinka. Et c'est des cartes de... C'est des cartes Pokémon, mais version marine. À trouver et à faire. Dont des cartes de boss. Le requin gobelin, il était sympa aussi. Hein. Voilà, donc profondeur, trou bleu. On a tout. Incroyable. Mais il y en a plein qui se sont ajoutés. Ah mais non, c'est profondeur, ça. Passage glaciaire... Putain, les hippocampes, pour moi, ils nous en manquent encore plein. C'est impressionnant. Il y a encore plein de trucs à voir sur ce jeu. Il est vraiment fou. Hein. Il est vraiment fou. Hein. Putain, il nous reste encore deux boss à faire, là. Ah, il nous reste que deux boss? Ah ouais. Ah, on a bien avancé dans le jeu. Mais je suis sûr, en vrai, il y a encore plein de trucs à faire. De toute façon, ils avaient dit que l'Eyediver... Oh mon dieu, 6300 le drone de sauvetage. Oh, nique sa grosse race. C'est le premier upgrade en plus. Alors moi c'est... Putain, faut que j'achète la combi. Ça, je vais le noter. Parce que sinon, je vais être Keblo pour aller plus loin. Ok. Bon, malheureusement, c'est la fin de cette VOD et également de ce stream parce qu'il va être 18h dans 2 minutes, les amis. Donc voilà. Donc merci à tous ceux qui sont venus nous faire coucou sur le stream. C'était très sympa, hein, comme toujours. Puis bah, bonnes vacances, Bilzy, à toi. Puis bah, pour tous ceux qui nous regardent en VOD, je vous aime très très fort. Je vous fais de gros bisous. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo, hein, pour ceux qui regardent, parce que je sais très bien qu'il y a quelques vues. Hein. Ça fait toujours plaisir. Moi, je le fais de base. Moi, je suis bon, allez, vas-y. Ça. Pour ceux qui n'ont pas la foi de regarder sur Twitch, parce que oui, vous êtes beaucoup. Allez, tchou tchou, la grosse bise. À la prochaine.